retour sur la ZTV, j'espère que vous allez bien. Vous regardez un stream de Hearthstone dans lequel on vous donne une chance de gagner une clé bêta. La première partie de la clé a été donnée et elle est redonnée souvent sur IRC. La partie suivante c'est 32, 65, 16, mais personne ne retiendra, donc c'est pas grave. Il y a beaucoup de, suites comme ça, de chiffres qu'on donnera, hein, bien sûr, mais voilà. Et bien pendant tout le live, alors il reste beaucoup de chiffres, hein. Il reste beaucoup, beaucoup de chiffres. Il nous reste exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chiffres à mettre, donc ça va être très très dur de trouver la suite de cette clé. En tout cas, je vois que sur IRC les gens cèdent entre eux, c'est pas mal. Donc nice. Du coup, je vais donner l'autre partie de la clé en deux parties. Ce sera vers, mais on pourra tous l'utiliser. Ah non, ce sera le premier arrivé, le premier servi. Donc je vous conseille d'ouvrir la page déjà de Battle.net qui vous permet de mettre les clés du jeu, et ensuite eh bien vous serez content, vous pourrez l'utiliser. Ce sera merveilleux. Ça va encore être pour ceux qui ont une bonne connexion. Bah non, tu mets la page de Blizzard dans laquelle il faut mettre les clés, tu fais au fur et à mesure, et dès que t'as la clé, paf, tu la mets, tu vois. Donc voilà. Non, c'est pas mal, c'est nul, on a des vieux spammers. Eh ouais, c'est comme ça. Par rapport au stream, il y en a qui ont de l'avance par rapport aux autres. C'est vrai ça. Et bah tu sais quoi, on postera. On va trouver un moyen de faire les suites. De faire la suite, ce serait pas mal. La suite, l'avenir est un long passé. Bon, c'est facile de les classer. Est-ce qu'on peut perdre dans ce mode de jeu ou pas? On verra bien. Non, on verra bien. Tu peux tout répéter, Zerator. Ah ben non. Ah ben non, bien sûr. Enfin bon. Ok, recherche d'adversaire, la carte. Les cartes de base s'obtiennent en gagnant des niveaux et elles ne peuvent pas être désenchantées ou créées. Oui, parce qu'on peut aussi créer ces cartes dans le jeu, mais tous ceux qui suivent ma chaîne YouTube, Zerator SC2, le savent. Bien évidemment, la chaîne YouTube, bien sûr, Zerator SC2, c'est là, ici. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on pouvait changer le nom de sa chaîne, mais je pense qu'on le fera pas quand même. On l'a appris en live, je crois d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des tirets, Zerator? Non, il n'y a aucun tiret. Aucun tiret. Donc voilà, c'est à vous de vous... C'est à vous de vous débrouiller. Hey! Ok, go faire un jeu de piste sur Facebook pour la clé. Bah c'est compliqué ça, faudrait que je sois au courant et tout. Pourquoi ça marche pas ça? Attendez, ça va marcher. Elle marche plus, je l'ai effacé, vous croyez? Ah, j'ai baissé le volume, ouais. C'est marrant, on entend Fury derrière. Bon, ça a bugué, je crois, hein, je vais recommencer. Ça a bugué, parti. Balance, go. Voilà. Ah, donc là, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres. Il manque 8 chiffres, donc je pense que j'en donnerai plus que 6. Et après, ce sera au hasard. Et je pense que les 6 derniers chiffres, je les donnerai... vers 19h40. Voilà. Et comme ça, vous aurez 20 minutes pour tryhard et essayer d'avoir les 2 derniers numéros. Ce serait intéressant. Mec, tu sais combien ça fait de possibilités? Oui, 99. Deux chiffres possibles. 99 possibilités. Et ouais. Faux 100. C'est vrai, exactement, ça fait 100. Puisqu'il faut compter 0-0. Vous avez raison. Donc ça fait très exactement 100 possibilités. Donc c'est pas beaucoup 100 possibilités. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Ah, c'est, là, il y a des mecs trop frères, là. Trop fiers. Oh, c'était 100, Zerator. Tu t'es trompé, la honte. Bon, ça marche pas. Hein. Je montre au jeu que j'existe encore. Voilà.
Est-ce qu'il serait possible désormais d'avoir un adversaire convenable, si possible? Parce que pour l'instant, il n'y a que des mecs nuls qui se shippent eux-mêmes, etc. Donc voilà. Tu as donné combien de chiffres, Zerator? J'en ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai donné 17 et il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 8, il en reste 8 de gens, c'est dommage. Il en reste 8 de chiffres et j'en donnerai que 6, enfin les derniers chiffres. Donc voilà, tant pis. C'est nul ce truc de clé, tout le monde regarde le stream juste pour ça et spam l'IRC, je suis déçu. Pourquoi tu fais ça à la base en fait? Bah parce qu'on vous fait gagner des clés, c'est bien. Il y a plein de streams qui font ça, nous on vous le fait. Nous on en a gagné, on en a qu'une de clé, donc on essaie de vous la faire gagner de façon rigolote, en un stream, on avait prévenu. Et donc voilà, peut-être qu'il y a des chiffres que vous n'avez pas eu. Peut-être qu'il y a des chiffres que vous n'avez pas eu, peut-être qu'il y a des chiffres qui sont ailleurs, peut-être que des gens qui me follow sur Facebook ont eu certains chiffres, peut-être des gens qui me follow sur Twitter ont eu certains chiffres, peut-être que les gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube ont eu certains chiffres. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être y a-t-il des choses partout sur... je ne sais pas. C'est très difficile à dire. Alors, donc voilà, tant pis. Vous êtes 1000 pour une clé, faut pas rêver. Bah ben ouais, mais bon, il faut la tenter. Il faut la tenter. Bon, ça trouve pas de game. Ça me saoule. On va attendre un petit peu. Alors, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites sur IRC? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui ne t'entraîne à rien? Ah, parce que les gens ici ont toujours pas leur clé. Salaud! Salaud! Salaud, salaud. Alors juste après moi, vous pourrez retrouver Mister MV qui vous parlera du Millennium Show auquel il a assisté et il était très très content d'assister à ça. Ouais, on voit. Je suis en train de regarder un petit peu ce que font les graphistes. Sont-ils en train de slacker? Ils sont en train de slacker, j'ai complètement l'impression. Hop. Oh merde! Le match n'a pas pu être lancé car votre adversaire n'a pas réussi à se connecter. Veuillez réessayer. Et ben je réessaye direct. Je réessaye direct. Coco, gadget au poing, ouais oh, gadget au chapeau, didalou, gadget au poing, doudalou, canastico, gadget, doudalou. Manger 5 fruits et légumes par jour, ouais. Ouais, 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 c'est pas mal. Je valide. Alors, ce soir, Mister MV va faire quelque chose qu'il ne fait pas habituellement dans ses streams. Il va jouer à Street Fighter. Un Street Fighter ultra particulier, il va faire un petit peu de comment ça s'appelle, de versus fitinge et ça va être cool. Ça va être cool. Ta 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 ta. Il a écrit d'ailleurs à 20h sur ztvfr.com, ça parle mal des mères et ça bourre dans les liens. Donc je vais retweeter ce truc, parce que c'est plutôt pas mal. Et vous verrez, il y a un générique qui vaut la peine d'être vu, donc je vous conseille de rester sur son stream, ce sera pas mal. Bon allez là! J'ai pas envie de faire d'arène, c'est naze! Et on fait tourner la roulette, la de la louette, la louette, la pétoula, les chanlettes, la de la louette, la louette. Bon, vous savez quoi? Vu que ça bug, je vais faire une game normale. Je fais une game normale, voilà, juste pour se chauffer. T'as, vous savez quoi? On va tester un deck. Faisons un deck. Ma collection. On va faire un deck. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous propose un deck full charge. J'avais fait ça au début, vous vous rappelez? J'avais fait un deck full charge. Donc là, on tape charge dans la recherche. Sauf que je sais pas l'écrire. Si, ça va. On va prendre... Alors, Shaman, il a quoi? Shaman... Non, mais surcharge. Non, pas surcharge. Non, mais merde! C'est une bêta. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Hearthstone, c'est fermé. C'est une bêta. Ok. Bon. Très bien. Très bien. Bien, 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 bien. Asseyez-vous près du foyer. Oui.
Alors du coup, je vais essayer de relancer une ranked, parce que j'ai relancé, ça m'a fait relancer le jeu. Mais faisons-nous un deck full provoque. Vous avez l'air de vouloir un deck full provocation. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais jamais vu ça. Provocation. Non, merde. Provocation. Provocation. Alors le chasseur, il y en a un. Le mage, il en a un. Le truc, il y en a... Alors on va faire un deck mage, puisque ils ont quand même les mages. Alors nouveau deck. Mage. Mage. Image miroir. Ensuite, provocation. On va faire le plus early possible. Non, ça c'est con. Ça c'est con, parce que je n'ai pas d'arme en mage. Non, ça non. Trop dangereux. Voilà. Bon. Pas mal. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, du coup, on va prendre lui. Il manque 25... Il manque quelques cartes. On va prendre donc des sorts mages. Des sorts de mages, genre... Bon, ça c'est bon, c'est fait. On va prendre des trucs early. Des trucs early. Explosion des arcanes. Vire celle qui donne provocation. Ah ouais! Vire toutes celles qui donnent provocation. C'est vrai ça. Alors voyons voir. Confère aux autres serviteurs provocation. Merde, j'ai mis un grizzly. Grizzly. Voilà. Accédrage, provocation, provocation. Coûte un machin à notre arme. Donne aux serviteurs adjacents machin et provocation. Donc non. Provocation, 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 provoquer divin, provocation. Très bien. Donc maintenant prenons les sorts du mage, prenons les sorts du mage, 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 mage. Mage, 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 mage. Watch out, arrow, romance. Ça pour avoir un petit peu de DPS en early. Quand un adversaire lance un sort, le contre. Ouais. J'ai toujours pas la barrière de glace. Moi en mage, je suis un petit peu déçu. Si vous contrôlez un secret, gagne plus de à la fin du tour. C'est naze. Qu'est-ce qu'on fait? Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. On prend une explo. On fait quoi? 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 Alors. Entité miroir, je vais reprendre ça. Allez, voilà, c'est fait. On va l'appeler. Provoque magique. Provoque magique. Terminé. Retour. Faisons une partie normale contre quelqu'un. On va pas faire ça en ranked, hein. Je tiens à mon statut quand même. Prends un chip. C'est vrai que j'aurais dû prendre un chip. Ah, je vais prendre un chip. Donc mage, provoque magique, on va enlever le 1 qui coûte 4, on peut faire genre on enlève une boule de feu. Non, la boule de feu je vais pas non. On va enlever le corsaire. On va enlever le corsaire de l'effroi, on va prendre un chip. Voilà. Gardez Mogushan, boule de butin. La reine, grise des fers poils, la chantité miroir. J'enlève ça, je prends un deuxième chip, c'est parti. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon à mon avis ce deck est complètement merdique. A mon avis, je pense qu'il est nul à chier. Provoque magique. C'est parti pour le deck de test. Yeah. Wah, 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 wah. Ta ta da 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 da. Bon, bref. En jouant des parties classées, vous obtiendrez une médaille prouvant votre talent. Mais ça, je l'avais jamais lu, moi. Je n'en savais rien, je n'étais pas au courant du tout. Donc tant pis. Oh mais merde, le jeu de merde. Bon, vous voulez une clé pour jouer à ça, franchement, vous êtes taré. Oh là 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 là. Est-ce que tu suis les LCS ou pas du tout? Si oui, qu'en penses-tu? Je suis pas du tout. On est pas mal occupé. Je suis pas du tout du Fort Boyard. Partie. Provoque magique. Partie non classée. J'y suis, hein, je suis dans le jeu. Je viens de relancer le jeu. Jeu qui fait full bug, hein. Il fait que bugger là, c'est un peu chiant. Il fait que bugger. On ne peut pas jouer, on ne peut pas jouer. Mais c'est normal, c'est un jeu en bêta. C'est un jeu en bêta. Ah, ça vous énerve le truc des clés. Ah, ça vous énerve, ça vous rend fou, ça vous rend fou. Ça vous rend fou. Da di da di da do. Da di da do da 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 da. Vous pouvez pas faire un truc équitable pour les gagner. Bon, on fait un truc équitable. Vous suivez le live et vous êtes aux réseaux sociaux de Zerator et vous gagnez. C'est facile.
C'est trop facile. Alors, il y a combien de chiffres pour la clé Hearthstone? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, je vais l'écrire en dessous, tiens. Ah! Oh là, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Attends. Alors, il y a une partie que j'ai donnée de 7 chiffres. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai donné 6 chiffres après. Après, j'ai donné 4 chiffres. Et donc là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 et 2. 6 et 2. Donc, on va vous donner une partie à 3 chiffres. Ou pas, d'ailleurs. Une partie à 3 chiffres ou pas. Ah! Na 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 na. Alors, la partie à 3 chiffres, la partie à 3 chiffres, c'est très simple, c'est 8, 6, 3. Voilà, 8, 6, 3. 8, 6, 3, 8, 6, 3. Donc voilà. Donc, alors, une seconde, parce que. Qui me. Pourquoi il dit ça, lui? Non, tu dois. Quelle bande d'abrutis. Les gens essaient de gratter les clés. Enfin bon, c'est pas grave. L'arène vous permet de construire un deck à partir de cartes aléatoires. Vous pouvez également gagner des récompenses. Ok. Bon. Vous pouvez gagner des clés, machin. Bon, hé, sérieux là, la recherche d'adversaires. Ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler. Bon alors, l'arène vous permet de construire un deck à partir de cartes aléatoires, vous pouvez également gagner des récompenses. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, on joue contre nous-mêmes. Qui je pourrais défier là? Nathan Lévy, il est sur WoW. Nicolas Dylan. Bataille! Non, pas du tout. Bon, on va faire un entraînement contre un expert. Genre contre un je sais pas moi, un druide expert. On va dire paladin expert. Beaucoup de paladins en truc. C'est parti. Uther, le porteur de lumière. Vous l'avez cherché. Ouais, vas-y, je veux une carte supplémentaire. Très bien. C'est parti, je vais juste enlever celle-là parce qu'elle coûte un peu cher. Mais sinon, nickel. En fait, moi, je pense que ça, c'est un deck qui est nul parce que au bout d'un moment, vous êtes obligé de... Enfin, en gros, l'adversaire va toujours attaquer vos... Déjà, un secret qui coûte 1. Je sais pas ce que c'est, ça. En gros, l'adversaire va toujours vous attaquer la créature qui... Vu qu'elles auront toutes provocation, en termes de ordre de cartes d'attaque, c'est comme s'il n'y en avait aucune qui avait provocation. Du coup, il va toujours vous laisser vos cartes qui ont 0, 1 en truc, et vous n'aurez jamais d'attaque en fait. Vous aurez toujours de la défense, mais jamais d'attaque, et je pense que c'est ça qui vous fera perdre. Vous ne passerez pas. Alors après, par contre, vous pouvez toujours focus l'adversaire. Ah, qu'est-ce que c'est que ce secret? Quand vous êtes attaqué, qu'est-ce qui se passe? Inflige au héros adverse autant de dégâts subis que ceux par votre héros. Pas mal ça. Œil pour œil. Comment ça crache? Ça a craché? C'est revenu ou pas? Vous êtes là ou... Il y a des gens qui disent que ça a crash sur RC. Non, pas de crash. Ok, bah ça doit être un bug, je sais pas ce qui se passe. Désolé à ceux qui ont crashé. Rique peu. Rique peu. Donc là, vous voyez par exemple, mon porte-bouclier à 0,4 mourra jamais. Il affiche 2 points de dégâts à tous les adversaires. Ça, c'est le problème des decks early, c'est qu'un mec qui a un peu d'AE, genre consécration, va vous défoncer en fait. Je pense que ce deck marchera jamais. Hein. Votre magie ne vous sauvera pas. Des lutins malicieux ont interrompu Hearthstone alors que le jeu tentait de se connecter à Battle.net. Veuillez attendre quelques minutes qu'il se disperse avant de relancer le jeu. Putain de merde. Ok, ça fout le bug. Ça fout le bug. Ça fout le bug. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe.
Très bien. Fuck les lutins. Fuck les lutins. Bon. Alors. Choupania, Gopianal. Non mais je vais rejouer encore. Je vais continuer de jouer. Je continue de jouer. J'arrive. J'arrive. Alors c'est parti. On va y arriver. C'est quoi mais au fait? Victoire du prêtre, victoire du voleur, victoire du druide. Et avec ça vous gagnez des golds. Ça compte pas les parties classées, c'est rigolo. Comment on ferme ce truc? Très pratique, bizarre. Aucune croix ni rien, échappe, te marche pas. On se retrouve coincé. Allez, je fais une partie classée, c'est parti. Je suis trop chaud, ça va marcher. Là, vous allez voir, ça va marcher. Ça va marcher. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Hop. Donc après, je crois que l'émission d'MV a été programmée. Hein. Là, on va avoir du versus fighting. Ça va pleurer parce que Mister MV est complètement nul. Mais donc le manque de respect. Faites un contrôle F5 et vous verrez la superbe vignette que Mister MV s'est préparée. Donc il y a... Ah mais non, il n'y a pas la nouvelle vignette. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Le manque de respect. Ben non. Ok. Hop. J'ai fait 20 essais mais je suis deg. Donc apparemment il y aura un mec qui aurait trouvé la clé. Ce qui est possible hein. Des chiffres ont été donnés sur Twitter, des chiffres ont été donnés sur Facebook. Impossible de savoir si des gens mentent ou si des gens font semblant. Fake ou GG, il y a un mec qui écrit. Fake ou GG sinon. Nous avons donné 02 08 355 en live. Nous avons donné 32 65 16 en live. 5 4 2 4 sur Twitter. Et d'autres chiffres. Et d'autres chiffres qui étaient les 8 derniers. Non, les 6 derniers. Et un mec aurait trouvé les 2 derniers. Mais attention, ce n'est peut-être pas sûr. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne sait. Il y a un nombre d'essais, donc c'est pourri en fait. Et ouais. Par contre, du coup. Donc en effet, la clé serait déjà utilisée. En effet, ça finissait par 0-9. Bien joué à celui qui a gagné. Si des viewers ont d'autres clés à nous passer qui veulent qu'on les fasse gagner de manière rigolote sur les lives, eh bien, qui n'hésite pas. Est-ce que tu peux le savoir au moins, Zerator, si la clé a été trouvée? Bah oui, il suffit que je la rentre dans le Battle.net et qu'on me dise si c'est déjà utilisé. Et voilà. C'est super. Donc voilà. T'es trop bête, Zera. Pourquoi je suis bête? Franchement. Le mec a dit t'es trop bête, Zera, franchement. Mais comment ça? Moi je voulais donner une clé, je donnais une clé. C'est tout. Et le mec m'insulte. C'est pas très sympa, hein. C'est pas très sympa. Bon, c'est pas grave. Non, GG, celui qui a gagné, je ne sais pas qui a gagné. Ah, vous êtes pas content, hein. Vous êtes pas content, ceux qui ont pas gagné, ils sont pas contents. Ah là 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 là, catastrophe.
Catastrophe. Mais c'est comme ça. Bon, le jeu a bugué du coup, hein. Vous vous êtes tous connectés au site de Blizzard et ça a fait crash le jeu. C'est ça? C'est ça? Putain de merde de parents qui rentrent et kill pour la première fois de leur vie ont voulu manger à 19h. Putain, je vais me faire mal en plus. Ok. Ça marche pas. Défiez-moi! Noxer, viens ici! Ça fait quoi si je joue contre un paladin? Oh putain! Eh hey, mais... Pourquoi d'un coup ça fout le bug? J'ai jamais eu un seul bug sur ce jeu. Et là, en live, des masses de bugs. Pourquoi d'un coup comme ça? Genre d'un coup, il y a tout qui bug. Quitte et relance. Mais à chaque fois que j'ai ce problème, ça me quitte le jeu et je le relance. Oh, quel plaisir. Ça fait pas. De vous le voir. Sûrement une mise à jour ou je sais pas quoi. Bah non. Peut-être, ouais, c'est vrai que... C'est vrai que peut-être c'est une mise à jour. On joue contre un... Contre un... Mage. Miroir. Ah là, on va avoir... Contre Jaina. Ils auraient pu faire deux voice acting pour Jaina, ça aurait pas fait Jaina contre Jaina, genre en mode SNCF quoi. J'ai eu la pièce. On va passer notre tour. Bon, on a un deck rigolo pour le début. Mes deux images miroirs. Accro au mana. Chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus 2 en attaque pendant ce tour. Ok. Attaquons! Attaquons! Vous voyez là par exemple, avant, je faisais deux images miroirs d'un coup autour d'eux. Mais en fait, c'est complètement con! C'est complètement con. Et vous voulez la garder. Ah, ça par exemple, excellent. Excellente cette carte. Meurs! 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 Me fait défoncer, hein. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai? Choc de flamme! Fou dingue! Fou dingue incroyable! On va quand même faire ça. Ça vous épate, hein? Ça vous épate! Et là, d'un coup! Il va se passer un truc! Il faudrait que je poche une carte à 1, ce serait trop bien. Un secret. Une carte à 2. Parfait. Hop. Et voilà. C'est une carte 5-5. C'est beau la vie quand même. Et on a deux serviteurs avec provocation et un dragon féerique, c'est quand même cool. Oh merde, là on est deck. Donc là on va se faire défoncer notre carte. Mais au moins, vous voyez, il aura tout utilisé. Oh là là, ça a tout fait sur mon aventurier. Du coup il va me rattaquer, il me défonce. Il me défonce totalement. Alors expert côté Blizzard, ça veut dire full luck au tirage. Haha, t'es nul. Ah mais non, rien à voir. À ce jeu on n'est pas nul. On est étourdi ou malchanceux. Mais rarement nul en fait. Sauf avec le... Avec, bah alors, étourdi bien sûr, genre par exemple le mec qui a chip son propre truc tout à l'heure. C'était pas qu'il était nul, c'est qu'il a été étourdi. Typiquement, hein, par exemple. Par exemple. Très déçu, très déçu. Très déçu. Heureusement ce n'est qu'un entraînement. Nous allons vaincre. Putain, il a encore tué mon... J'ai pas eu un super débat, hein, faut dire. Son mana, son arcane, ouais. Meurs. On est pas très bien là, je vous l'avoue. Explose d'arcade. Oh là là, la vache. Putain. En plus, il a sûrement une barrière de glace en sort secret là. Ah d'accord, très bien. Euh...
Ah! Quand vous faites un sort, le contre. Alors c'est quoi le contre? Il fait pareil en fait. Ah non, c'est genre, lui il récupère les cartes et moi non, c'est ça? Ah non, c'est juste que le sort ne fait pas d'effet, ok. Très bien. Très bien. Ça me va, j'ai plus que 12 points de vie, donc là il va faire double boule de feu à plus en même. Boule de feu. Secret, mais cool. Entité miroir, ça c'est bien ça. Je suis content. Je suis cocu, mais content. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que... Ah, on invoque une copie. Ah, t'es sûr. Ah non, un sort, le contre, d'accord. Contre-sort. Il me défonce totalement. Il me défonce totalement. Alors là, double boule de feu, 4 et 4. Enfin, pas du tout. Défonce totalement. Là, je ne sais pas quoi faire. Là, je ne sais pas du tout, là. Enfin, ça sert à rien de geler un mage, parce que vous pouvez quand même faire des trucs. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Jobs done, ça veut dire que vous pouvez plus rien faire avec vos points de mana. Vous avez le péon de War 3 qui dit Jobs done. C'est en fait le travail terminé. Le War 3. Ok, pas de problème. Ah, il me défonce tellement. Il me troll en plus. Ah, il a plus de cartes. Ça, ça peut être ma dernière chance de salut. Salut. Alors, si c'est 2, ok. La vérité est mise. De toute façon, j'ai provoque donc il. Là, son secret c'est sûrement. Quand... ça c'est sûrement. Quand on vous attaque, fait que vous avez 8 points d'armure. C'est sûrement ça son secret. Actuellement. Il a pioché un chip. Vous vous rendez compte? Il a pioché un chip. C'est une catastrophe. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, donc là il va piocher un truc qui va me OS, c'est ça. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Ah ici il a eu un secret. En fait il pioche et il joue instant, vous avez vu, c'est bizarre ce qui s'est passé. Genre là on l'a pas vu piocher. Pourquoi il a fait ça? J'avais même pas de pro... Si il avait une provocation. Ok, j'ai un choc de flamme, un chip. Donc là il va sûrement invoquer une copie, donc je vais faire ça. Alors? Eh, invoque une copie, ouais mais c'était une carte de merde. Ouais, très bien. Dislocateur mental TC-130 enclenché. Lune d'argent ne tombera pas. Hey, une petite minute, s'il vous plaît. C'est pas perdu. Mais c'est très mal engagé. Ce qui n'a rien à voir. 13 cartes, 10 cartes. Et en plus j'ai pioché plus de cartes, c'est fou. C'est fou, hein. Alors là, on va enfin découvrir son secret, vous allez voir. Donc regardez, là je l'attaque et là. Ou alors le détruit. Le détruit. Vaporisation ou barrière de glace? Barrière de glace. Donc ça, c'est une carte que je cherche. Moi, j'aimerais beaucoup l'avoir. Quand on vous attaque, hop, 8 points d'armure, très bien. Le mec est à 36 points de vie, pas de problème. Donc voilà. C'est une très bonne carte. Donc là, il a pioché et il va jouer instant, c'est quoi? S'il a une boule de feu, il est perdu d'ailleurs. Accès de rage. Accès de rage, c'est quand vous attaquez le mec. Donc lui, quand on l'attaque, il gagne 3 points d'attaque. Pas mal. Pas mal. Meurs. Aïe. On voit que ça vous défonce. Hein. Bon, j'aurais pu le ship. J'étais un peu con. Meurs. Bon, c'est bien, on a gardé le ship. Ah voilà, 6 points de dégâts finis. Il fallait qu'il joue une boule de feu. Voilà. Voilà. Défaite. Défaite. Donc défaite, complètement déçue. L'heure pour nous de lancer la pause de 2 minutes. On se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. On va essayer de jouer contre des gens normaux. J'espère que ça va fonctionner. Au moins on pourra gagner. Parce que moi je joue contre les ordinateurs. On ne sait pas trop qu'est-ce qui influe la chance dans le paquet ou quoi. Bref, à tout de suite. Oui, nos matchs par l'IA, tout à fait. GG quand même à toutes.
toutes et à tous, bienvenue sur la ZTV si vous venez de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir ou presque. Sur la ZTV, je suis Zerator, je suis votre hôte ce soir. Et nous jouons à Hearthstone, enfin on essaye parce que le jeu connaît quelques complications. Donc nous allons partir en partie quoi, en partie classée. On va essayer de faire une partie classée, vous savez il y a des games classés dans Hearthstone et des games non classés, il y a des parties non classées. Ou partie classée en mode cuivre, trop de la bombe machin. Donc on y va, alors j'ai pas trop compris comment se passe le classement, j'ai l'impression que dès qu'on gagne, on gagne... la médaille du dessus, ça fait un N plus 1 classique bête et méchant. Mais je sais pas ce qui se passe quand on perd, parce que j'ai pas encore perdu. Parce que moi, vous savez, je suis très fort aux jeux vidéo et je perds très rarement. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas le jeu qui rencontre des complications. Bah si, si, le jeu rencontre des complications. Malheureusement, c'est parti pour Roulette Simulator. Tu perds rien quand tu perds. C'est vrai? On perd rien quand on perd? Bon après, c'est la bêta et tout, donc je sais pas si... Il se passe rien et c'est hebdomadaire, Daddy Dader. Comment ça hebdomadaire? C'est-à-dire, moi là j'ai gagné des... Ah le classement est hebdomadaire, il reset à chaque fois? C'est ça? C'est ça ou pas? Et je vous rappelle que juste après ce live, vous pourrez découvrir Mister MV, un streamer très drôle et très particulier, qui fait un petit peu ce qu'il veut sur les streams. Il va jouer à Street Fighter. Il a fait un super générique pour l'occasion. C'est normal, ce sera du prime time à 20h, bien sûr. Et voilà. Et après, nous, on fera un Zeratosaurus. On va jouer à un jeu de votre enfance, un jeu qui, je suis sûr, a bercé l'enfance de pas mal de gens de ce stream. Enfin, c'est un remake. C'est un remake d'un jeu de notre enfance parce que c'était plus facile niveau installation. Donc voilà. Alors, voyons voir. Comment ça s'est passé le live de Slooby hier? Vous m'avez pas raconté. Slooby qui est notre nouvel animateur et qui a fait un live donc hier. Moi j'étais pas là malheureusement, j'étais encore dans les transports, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé pour ceux qui ont vu le live? Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ont vu, puisque j'ai vu que vous étiez plus de 1000 à regarder. Bien sympathique de le revoir, vous me dites. Alors, il a fait du Amnesia et du Bastion. Il a fait ces deux jeux-là. Donc voilà, Epic Slooby, c'était génial, nickel. C'était bof. Slooby, très sympa. Il est dard. D'accord, tu es beaucoup trop fort, c'est pour ça que le jeu ne te trouve pas d'adversaire. Peut-être, 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 peut-être. Donc tant pis, Zera je te hais, je fais une nuit blanchière pour les LCS et tu m'obliges à rester éveillé jusqu'à minuit pour le Zeratosaurus. Eh ouais, mais le Zeratosaurus, c'est la classe, c'est évidemment la classe. Ah, on a trouvé un adversaire! Un adversaire convenable. Jaina. Ok, on joue contre Roxas et ça je pense que c'est un sniper, malheureusement. Un petit peu dommage de sniper en ranked, mais bon j'ai l'habitude avec les autres lives. Alors le ship, on va le garder pour plus tard, je vous rappelle que ça remet la carte en mode random dans le jeu. Donc voilà, donc je pense que nous avons été snipés, donc l'adversaire connaît les cartes que nous avons en jeu et va jouer en conséquence. Donc voilà, donc sniper sur un jeu de cartes, je pense que c'est le sniping le plus worth it de tous les temps, voilà. C'est ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus rentable. Et on va voir. Alors. Voyons voir. Est-ce que par exemple Roxas est sur l'IRC actuellement? Il n'y est pas. Mais je connais cette personne, c'est dommage. Alors. Le gars qui a gagné la clé, je pense. Peut-être. Peut-être, peut-être. Alors on va piocher une carte. Ah ça c'est bien. Protectrice, Sol, Fury. Et voilà. Là c'est bien parce qu'on a aucune carte à un point de vie, du coup il va pas la défoncer avec une vulgaire boule de feu. L'adversaire n'a plus que 6 cartes. En jouant celle-ci, plus que 5. Plus que 5 avec l'intelligence des arcanes. Et du coup il en reprend et il en a 8. Alors là il faut savoir qu'il n'a pas abandonné la partie, il a déco, parce qu'il avait dit, il a dit votre adversaire est parti. Il n'a pas fait genre GG, il a quitté, non c'était une déco qu'il a eu, donc peut-être comme moi tout à l'heure, il a eu un plantage du jeu je pense. Et voilà, pour une fois que j'avais trouvé un adversaire, dommage. Dommage, 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 ah bon très bien, il avait pas le temps. Le mec a commencé la game, il a fait, j'ai pas le temps à plus. Me casse, j'y vais. Et voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi je vais rester là derrière.
Est-ce que ça trouve un adversaire ou pas? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors. Ça trouve un adversaire. Hop là! Beaucoup de contenu ce soir. Ouais, ça c'est clair. C'est pas ma faute! Ce n'est pas ma faute! Yeah! Yeah! Oui, j'adore les pois chiches. Et aussi les pois pas chiches. Oh god. Montre-nous la bâche, Terrator. Vous voulez que je vous la montre? Je vous la montre. Alors attention, en attendant que ça trouve un adversaire. Je vais vous montrer la bâche. La bâche, quelle de cette vache. Voilà, nous avons donc la bâche ici. ZTV. Merci à. Aiglo, Webflow, Atom Grid, François, Rabram, ZRT Dev, Castoraman, wouh! T-Rex, Major Captain, Dex, tu l'as vu, Cloverio, Skinny, Johnny Boy 219. Est-ce que ça a trouvé une game? Non, toujours pas. Anu, non, c'est pas Anu. C'est Manu. Manu, Noscapin, Advising, Svalin, Fengor, Tifred, Bulbizar, Sarcef. Cassade, Shorty, Tony, Bisounours, Eclipsia, Cincella et Cancrela. Voilà. Et là, accroché comme de la merde avec du scotch, on va essayer de pas vous le montrer. Hop! Vous l'avez cherché. Voilà. Il faut resserrer ça. Et nous y voici. Bon, j'ai trouvé une game ou pas? Ah, j'ai trouvé une game! Nice! Go jouer, game, gros mongol, etc. Pas besoin d'insulter, direct vous insultez. Game mongol. Y'a un mec qui a écrit ça en caps lock. Catastrophe. Ton stream est quand même bien désintéressant, ça fait plaisir. Mais c'est pas ma faute. Ah voilà, on est content. On a jeté des cartes à 4 et à 5 et on a pioché 6, 7, 6. Donc là, moi ça fait partie des games où je dis qu'on va peut-être perdre à cause du tirage. Malheureusement. Alors le guerrier, faut faire attention, ça peut très vite être méchant. Son pouvoir d'invocateur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il gagne 2 points d'armure. Donc sur son héros. Donc il peut très vite avoir 50 points de vie, hein, très rapidement. Si vous faites pas de la... si vous faites de la merde. Ok. Eh bien, attaquons ce crocilisque des rivières. Donc là, gros start. Gros start, du coup, désintéressant. Déstressant, pas désintéressant. Ah ouais? Merde, pardon. Pardon. Excusez-moi. Pardon, j'ai mal lu. Alors, on va interagir avec le décor. Cliquons sur l'horloge. Sur le puits. Voilà, on a fait tomber le seau. Je suis très content. D'accord, faisons comme ça. Deux. Et trois. Nous piochons des cartes, job's done. Donc job's done, ça veut vraiment dire vous pouvez plus rien faire, passez votre tour gros bâtard, vous êtes pas manœuvre, blablabla. Donc voilà. Ah voilà, ça y est. Nous avons un... la nouvelle vignette de Mister MV qui est apparue sur le site, donc CTRL F5, et vous verrez en bas dans le programme la vignette Street Fighter faite par nos graphistes. C'est vachement dur. Ah ça c'est chiant ça, vous piochez une carte chaque fois que votre... chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Ah mais c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Non en fait c'est pas très chiant. Est-ce que quand il meurt vous croyez que ça compte? Parce qu'il subit des dégâts techniquement même s'il meurt. Furie des vents. Trop chiant. Trop chiant. Ouais. Nice. Meurs. Quoi? Ah oui il a pioché une carte c'est normal. Ah ouais du coup j'ai un peu succès là. Bon il a 20 cartes, j'ai 20 cartes. Bon on a pioché les mêmes nombres de cartes, ça va c'est normal. Le manque de respect, ouais le mec de... le manque de respect. Hadouken en effet. Bon l'acolyte de la souffrance. N'empêche il a vachement rentabilisé sa carte. Puisque à chaque fois je lui ai infligé 1 par 1. Enfin lui il a fait le 1 par 1. Ça valait le coup de refresh, bah bien sûr. Quelqu'un a une idée de la sortie officielle du jeu? Personne, même pas Blizzard. Même pas Blizzard. Alors faucheuse en arcanite. Oh putain. Alors ça c'est deux coups pour le guerrier à 5 de dégâts. Donc là, paf. Il m'a pas attaqué. Ah non, je vais pas faire ça. Ah mais là c'est chaud là. Ah, franchement j'ai eu un mauvais tirage au départ. Et là du coup... Donc là il va m'infliger 6. Minimum, 6 minimum, alors sachant que la... les guerriers ont souvent la possibilité de donner charge à leurs adversaires, je pense que là je vais perdre. En tout cas je suis pas bien parti du tout.
Il faudrait que j'arrive vraiment à du late. Alors est-ce qu'il pioche une carte là? Ah, il pioche une carte même pour la mort. Voilà, la charge, c'est ce que j'expliquais. Donc là il meurt. Là il va m'attaquer avec 5. Regardez, paf, 5 dans la gueule. Mais il m'attaque toujours pas, bon. Ok. Il m'attaque toujours pas, très bien. Là je vais faire ceci. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai quand même l'aventurier en pleine quête qui est vachement top bonnard. Là je me suis rendu des points de vie. C'est ma seule carte de heal de toute façon. Donc voilà. Il y a un mec qui dit ah mais putain c'est ça, vous voyez Caillou Hearthstone, OMG j'étais là, mais putain c'est quoi ce jeu? Ouais ouais. En fait apparemment ça voudrait dire pierre de foyer. Paf. Non, faut pas faire ça. Là il perd 1 de durabilité sur son arme, il a infligé 5 points de... Pourquoi il fait ça? Bon après c'est bien, parce que quand vous êtes trop entouré de créatures, ça devient vite le bordel. Bon il lui reste quand même 5 points de mana, c'est bien. Moi j'aurais pas du tout faire ça. MV va faire du Street Fighter? Oui il va en faire, mais vous allez voir, c'est du MV Street Fighter, c'est pas vraiment du Street Fighter, hein, comme d'habitude. Oui ça oui, normal. Et il finit de jouer alors qu'il avait 5 de mana, il doit vraiment avoir des pures cartes. Le chien du magma! Alors là, évidemment, le but c'est qu'il ne le tue pas au prochain tour. Mais normalement, il devrait pas l'attaquer avec son guerrier. Ça lui ferait quand même 7 de dégâts, même s'il se met la protec. J'espère qu'il va pas faire ça. Tu vas pas faire ça! Tu vas pas faire un truc aussi dumbass! Normalement, il va le chip ou le contrôle ou un truc comme ça. Je sais même pas si le guerrier a du contrôle. Il va faire ça. Il va faire ça. Il inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Nul à chier. Oh mais c'est pas vrai! Mais fuck! Bon alors. Ah bah allons-y. Donnez-moi une quête. Exactement ce que je voulais qu'il se passe. Et hop, secret. 4-4. Ça nous fait une 4-4. Même s'il la bute à ce tour, ça fera quand même une 4-4. Donc c'est quand même pas mal. Et s'il la bute pas à ce tour, au tour d'après, ça va faire très mal au cul pour lui. Parce qu'elle aura provocation. Voilà. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il va faire. Moi j'ai 5 cartes, lui il en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confère 4 d'attaque à votre héros pendant ce tour. Il va attaquer ma créature. What the fuck? Ah, il a beaucoup d'armes. Ah, oh, 7! Ah oui, mais c'est que à ce tour. Du coup, est-ce qu'il peut réattaquer? Ah oui, sûrement. Là, il va m'attaquer, là. Là, il m'attaque mon héros, là. Non, pas du tout. Il pouvait pas, parce qu'il avait déjà attaqué, quand même. Ah, incroyable. Ok, alors. Donc là, la logique voudrait que je fasse le champion et la protectrice Sol Fury. Mais... Ouais, il faut que je fasse ça. Franchement, il faut que je fasse ça. La puissance de Hurlevent. Donc la protectrice qui va être à 3-4 d'ailleurs. On est bien. Ça fait... Sachant que là, dès qu'il invoque un mec, il... J'en invoque une copie. Donc là, s'il invoque un mec, genre pas lui. Bon, ça c'était de la merde, ça sert à rien. Détruit un serviteur blessé. Merde. Exécution. Mais au moins, il utilise ses cartes. Et là, il va m'attaquer avec son champion. Putain. En fait, c'est un deck full arm, je pense. Et il est en mode... il est en mode faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Alors... 6... La vérité. La vérité. Je vais garder ma boule de feu au cas où il sorte une créature de ouf. Moi, j'ai de la provocation, donc je suis pas mal. Et s'il invoque une créature, j'en ai une copie. C'est difficile, son truc. Là, il faut dire ce qui est, ton adversaire est nul. Je pense qu'il est un peu nul, ouais. Donc ça, ça va être une copie. Voilà, je vais faire la même chose, détruire l'arme de votre adversaire, donc lui, plus d'armes. Donc déçu. Ah mais non, parce que j'ai pas le cri de guerre. Quand vous invoquez une copie, vous n'avez pas le cri de guerre. Donc là, ça ne détruira pas son arme, normalement. Voilà. Réduire un serviteur au silence. Donc ça, c'est très très bonne carte. Pour annuler les provocations, les boucliers divins. C'est toujours bien d'avoir une chouette bec de fer. Et il m'a encore attaqué, mon... Mais c'est pas vrai. Complètement retard. Ah ouais, c'est full arme. C'est full arme. Alors là, si j'ai un peu de provocation, ça risque d'être un deck assez merdique pour lui. Hein. Image miroir, et ça c'est pas bon du tout pour lui, je vous le dis. Je vais le faire tout de suite. Tac. La justice prévaudra. Ah, il est pas bien. Il est pas nul, il est étourdi.
Non mais après, après je sais pas, moi j'ai jamais fait ce genre de strat. Je peux pas dire qu'il est nul, c'est vrai, ce serait un peu faire des raccourcis. Donc là il va attaquer avec son guerrier de merde, hein. Ça lui fait perdre 1 de durabilité sur son arme, c'est bien. C'est toujours ça de prix pour moi. Pour le chef de guerre. Soldat d'élite, cron 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 cron. Donc là il va attaquer mon paladin normalement. Quoi? Ah ouais, 6. Donc il va attaquer mon gros machin à 5. Camouflage? Non c'est quoi? C'est quoi ça? Ne peut pas avoir moins de 1 PV pendant ce tour. Ah c'est bien ça. Sauf que là si j'ai une explosion des arcanes c'est la fin du temps. Mais ce n'est pas le cas donc tant pis. Donc tant pis tant pis. On va faire ça. Donc là il est complètement déçu. La justice prévaudra. Alors on lui enlève ses points d'armure. Il a plus de cartes hein, donc là c'est la fin pour lui. C'est une catastrophe. Je peux faire un jet de besoin. Donc ça, râle d'agonie, ça veut dire quand il meurt. Donc quand il meurt, vous piochez une carte. Et voilà. Et là, il a plus de cartes, donc c'est vraiment... c'est bof, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai planté? Non, ça va. On va essayer de le finir, je pense qu'en fait, il a perdu. Donc regardez bien. C'est la fin. Ah non, pas du tout. J'ai mal calculé. Mal calculé mon coup. Donc il a plus que 2 points de vie, donc là on dit bien joué. Et voilà. On est content. On a gagné. On a gagné. J'espère que vous aimez mon invention. Pour le chef de guerre. Pour le chef de guerre. Pour le chef de guerre. Je choisis la mort, il a abandonné. Il est nul. Et voilà. Et nous sommes maintenant argent. Wouh. Génial, parce que nous avons en fait que gagner. Mais mon deck, quand je l'ai appelé Balance, je rigolais pas. Hein. Je rigolais pas. Bon, vu qu'il reste quelques minutes, on va faire une dernière game en non classé avec notre provoque magique. On va essayer. On va essayer. Alors j'avais fait un deck full charge à l'époque avec le guerrier. Mais ça avait pas très bien marché, c'est-à-dire que guerrier... Après j'ai désenchanté pas mal de cartes pour avoir des... voilà... Lui... Lui... Qu'on fait recharge à un serviteur allié... Détruit un serviteur adverse blessé, inflige 2 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire... À 2 serviteurs adverses aléatoires... Voilà, donc là on tape charge... Mais les decks full quelque chose, de toute façon ça marche pas très bien. Voilà, vous voyez, j'ai que ça. Y'a que ça en carte. C'est pas beaucoup, hein. 18. Pas beaucoup quand même. Qu'on fait charge à un serviteur allié. Je vais essayer de prendre que du. Que du pas beaucoup. Un peu de provoque. Un peu de provoque. Un peu beaucoup de provoque. Charge, ça c'est bon. Confère aux autres serviteurs provocation. Invoque un sanglier 1-1. Tiens, on va faire. Tiens, on va faire ça. Invoque. Les murlocs. Les murlocs. Voilà, go! Deck guerrier. Charge nulle. Ah, je sais, il faudrait l'appeler. Charge nulle. Entrée, terminée. Et voilà. Bon, ça va pas marcher, hein. Je sais même pas si ça se trouvera un adversaire, mais tant pis. Il cherche pas les decks compliqués, Zerator. Non, mais mon deck balance est un petit peu plus balance. Non, mais vous savez quoi, on va pas faire ça, ça sert à rien. Je vais vous montrer un petit peu les cartes qu'on peut avoir avec les 5 minutes qui nous restent. Et voilà, voilà. Alors, confère provocation et +2/+2 à un serviteur. Très bien, très très bien. Très très bien, c'est excellent. Donc, alors, toutes les cartes. Regardez, toutes les cartes. Là, on a toutes les cartes. Alors, faut savoir que les cartes les plus chères... Ici, s'il vous plaît. Les cartes les plus chères, donc, coûtent 10 et même parfois plus en mana. Regardez, c'est le géant de lave qui coûte le plus cher. Donc, c'est la carte la plus chère en cristaux. Coûte 1 cristal de moins pour chaque point de dégâts subi par votre héros. Donc, si vous avez 10 points de vie, cette carte coûte 0.
Et elle fait 8-8 en puissance-puissance. Donc c'est quand même pas mal. Elle coûte 400 poussières d'arcane à crafter. Elle rapporte 100 poussières d'arcane si vous la désenchantez et que vous l'avez. On a aussi une carte à 12. Coûte 1 cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Si vous avez 10 cartes, elle en coûte 2. Donc des cartes late et early à la fois. Ça dépend un petit peu. Donc c'est quand même assez intéressant. Quitte à réfléchir sur un deck, tu pourras faire un deck autour du paladin de quête, je sais pas quoi. En mettre autant que possible et à côté full carte 1 ou 2 de mana. Du coup tu consumes l'ennemi au moment où tu pioches le gros. Tu fais un XX de ouf. C'est pas top ça. C'est pas tip top. Et cette craft secret barrière de glace, vu que tu disais la vouloir. Ben disons que ouais, c'est vrai que je la voudrais bien. Donc la barrière de glace sur le mage, c'est ça, barrière de glace. Mais elle coûte. Ah, elle coûte que 40. Ben, je vais la créer. Ben voilà. Et je vais même la recréer. Et voilà, je l'ai deux fois. Je suis content. Je suis content, mais maintenant il faut l'ajouter au deck, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors attendez, avant ça, je vous montre la carte à 10 chez le mage. 8, pardon. Explosion pyrotechnique, inflige 10 points de dégâts. No brain, complètement tarde, mais elle coûte 8. Donc 8 pour 10 points de dégâts, je sais pas si c'est si worth it que ça. Sinon on a une carte légendaire comme tous les mages. Chaque fois que vous lancez un sort, place un sort boule de feu dans votre main. What the fuck. Mais non, après il faut beaucoup de sorts, hein, mais bon. Donc chaque classe a une carte légendaire. Le druide, par exemple, sa carte légendaire, c'est... Merde. C'est Scénarius. Choix des armes. Confère +2/+2 à vos autres serviteurs ou invoque 2 tréants 2/2 avec provocation. C'est quand même pas mal. J'espère que tu as le gobelin dans ton deck. Non, je l'ai enlevé. Je l'ai plus. La légendaire du chasseur, c'est le roi Crush avec charge. 8-8 pour 9. C'est pas mal quand même. Parce que direct, vous la posez, ça vous fait 8 de dégâts. Et si elle survit, vous refaites 8 de dégâts, donc elle est pas mal. Le mage, on l'a vu. Le paladin, sa carte légendaire, c'est Tyrio Fordring. Bouclier divin, provocation, râle d'agonie, vous équipe de porte-cendre 5-3. Archbringer. Donc ça, c'est... Comment ça? What the hell? Ça, c'est une carte très très puissante quand même. Bouclier divin, provocation, 6 d'attaque, 8 de cristaux de mana. Ça, c'est quand même... Ok, le paladin, tu vois ça, t'es là, très bien. Et le prêtre, porte-cendre, c'est Archbringer, c'est une arme. Le prêtre, ça... ah oui, contrôle mental, prend le contrôle d'un serviteur adverse. Simple, clair, efficace. Prophète Velen, double les dégâts et les soins de votre sort. De vos sorts. Tant qu'il est actif sur le tableau, hein, on va dire. Le rogue, sa carte légendaire, c'est... Kidnapper, pas du tout, c'est... Voilà, c'est lui. Edwin Van Cleef pour 3, camouflage et combo gagne +2/+2 pour chaque carte jouée auparavant pendant ce tour. Genre vous jouez 10 cartes, d'un coup vous jouez Van Cleef, qui paye bien pour vos têtes, et il gagne +2/+2. Si vous avez joué 3 cartes, il gagne +6/+6, ça vous fait une 7/7 pour 3 de cristaux, c'est quand même pas mal. Genre si vous avez 10 points de mana, c'est quand même pas très cher. Alors toutes les cartes légendaires coûtent 1600 poussières d'arcane à crafter, autrement dit, il vaut mieux acheter un paquet et espérer l'avoir. Le chaman, c'est... Alakir, seigneur des vents, furie des vents, charge, bouclier divin, provocation. Très bien! Tout va bien! Le mec, il est à 8 de cristaux, tu le poses, t'attaques. Mais il a aussi furie des vents, bouclier divin, provocation. Donc en gros, soit vous le one-shotez à ce tour-là, soit après, c'est la fin des temps. Le démoniste. Seigneur Jaraxxus, cri de guerre, le seigneur Jaraxxus détruit votre héros et prend sa place. Quoi? Ah ok, il a 15 points de vie. C'est-à-dire que si vous avez genre 3 PV, vous mettez ça et paf, ça vous heal, en gros, de 12 points de vie. Et vous avez 3 d'attaque. Voilà. Vous vous métamorphosez, en gros. C'est pour avoir 15 points de vie. Voilà, c'est pour avoir 15 points de vie. Ça, c'est pas ouf, je trouve ça pas ouf. Enfin, si, c'est pas mal, mais bon. Garrosh sur l'enfer, charge, accès de rage, 6 d'attaque. Accès de rage, c'est quand vous l'attaquez. Genre, vous lui infligez 1 point de dégâts, paf, il gagne 9. Il gagne 6, pardon. Ça vous fait 10, après 16, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut aller très vite avec... Gros mage, pardon, pas Garrosh. Hein. Et enfin, les dernières légendaires. Donc après, vous avez toutes celles du rêve d'Emeraude, etc. Donc vous avez, voilà, Eldemort détruit tous les autres serviteurs et vous défausse de votre main. Voilà, donc... mais elle coûte 10, 12, 12, bon. C'est pas toujours des bonnes cartes. Izera, vous piochez une carte de rêve à la fin de votre tour, les cartes du rêve d'Emeraude. Onyxia, invoque des dragonnets 1-1 jusqu'à remplir votre côté du plateau. Ça fait tac 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 et c'est pas mal. Et voilà, et la suite vous le saurez dans le prochain épisode. Tout de suite c'est Mister MV qui va faire du versus fighting. Mesdames et messieurs, on se retrouve à 22h. Merci d'avoir été si nombreux, je vous invite à rester sur le stream parce que Mister MV a fait un générique totalement démentiel. Merci à tous d'avoir suivi ce live. A tout à l'heure, à dans 2h. Et rendez-vous sur Twitter pour le défi avec Mamie Twix. Salut.